réseau Entreprendre Val d'Oise, c'est une incroyable organisation d'entraide et de partage où des dizaines de patrons donnent de leur temps et de leur énergie bénévolement pour aider des jeunes pousses à se lancer et à devenir les futures PME et peut-être même les ETI dont la France a tant besoin. C'est d'abord un grand plaisir de voir l'aboutissement pour ces lauréats que sont la remise de ce trophée, même si l'aventure n'est pas terminée, loin de là pour eux. C'est l'occasion de faire parler d'eux et puis c'est l'occasion de leur créer un souvenir qui, j'espère, leur resteront longtemps. Ça nous rappelle d'où on vient, tout le parcours qu'on a pu faire. J'ai vu des gens qui sont montés sur scène, qui étaient là pour mon parcours. Les voir ici, les voir qui nous soutiennent, ça montre que le projet est concret, qu'il est toujours là, qu'il avance. De voir qu'il y a plusieurs entreprises qui ont été cofinancées par le réseau, de voir la région qui était là, c'était extrêmement intéressant, enrichissant. Ça fait un an que j'accompagne Geoffrey et Grégory de PostMe. Et c'est sympa de voir la vitesse à laquelle ça avance, les difficultés, mais aussi les joies de leur aventure. On est très 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 heureux d'être entouré de gens passionnés qui aiment leur travail et qui aujourd'hui donnent tout pour leur entreprise et puis pour leurs employés. Ce qu'on attend d'eux, c'est déjà qu'ils réussissent dans l'action qui est notre objectif principal, c'est de créer de l'emploi. Et puis ensuite qu'ils reviennent nous voir une fois qu'ils sont devenus des chefs d'entreprise avertis, ça arrive assez vite, et qu'à leur tour, ils accompagnent avec nous un certain nombre de nouvelles entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'impliquer pour essayer de devenir membre à part entière, et si possible accompagnateur une fois qu'on aura les reins solides et qu'on saura de quoi on parle en fait. La plus belle chose à voir, c'est les emplois qu'ils créent, le fait qu'ils s'intègrent après dans l'écosystème avec tous ces chefs d'entreprise, de PME et de grands groupes qui vont derrière les accompagner. Ce n'est plus des créateurs, ce sont des chefs d'entreprise, maintenant des vrais chefs d'entreprise.